Salut tout le monde, c'est Koinski. Alors me voilà toujours équipé de ma vieille armure qui commence à être un petit peu obsolète par rapport à ce que je pourrais crafter. J'ai toujours pas trouvé d'armurier de niveau compagnon et je me suis laissé un petit peu entraîner dans une quête avec Triss. Je voulais absolument la retrouver, donc voilà, j'ai fait ça, c'est pas grave. J'espère qu'on va pouvoir s'en tirer quand même. Mes armes sont bonnes par rapport à mon niveau, mais mon armure est clairement en deçà. J'espère qu'on va pouvoir s'en tirer correctement. Donc je dois trouver un passage secret ici, à l'aide de mes sens de sorceleur, mais évidemment je vais faire un petit peu de recherche d'objets en attendant, plutôt avant d'essayer de poursuivre. Gantelet de pisteur, bombe d'iméritium améliorée. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je vais voir. Alors, au niveau de l'artisanat. Plutôt de l'alchimie. Alors, les bombes, elles sont où? Elles sont là. Bombe d'iméritium améliorée. J'aurais pouvoir la faire assez facilement. Ok, elle dure 30 secondes au lieu de 15. Une peau de loup blanc. T'entends ça, loup blanc? Une peau de loup blanc. Bon. C'est drôle. Ça a pas l'air bien, et en plus il y a sa main qui passe à travers son sa capuche. Allons-y, les sangs de sorceleur. On va ici, il y a quelque chose à observer, un petit bouton, une brique plutôt. La cité libre de Novigrad, ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de Lokmin. Ils pensaient échapper au bourreau de Radovid. Quoi, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or, et pour gagner une guerre, il faut trois choses. D'après Cloug, le colis doit être au fond dans ces parages, sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens? Une autre fois, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu rates. L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon teint. Ok, on va retrouver le colis et après on essaiera de revenir un petit peu en arrière, trouver un armurier et poursuivre les quêtes que j'ai laissées un petit peu du côté de Velen. Choses par ici. Ouh, hirondelle améliorée, ça c'est cool. Parce que c'est la potion que j'utilise le plus. Pantalon de guisarmier. Sang noir amélioré. Ok. Ok, voilà, c'est le sac en cuir, c'est ça que je devais récupérer. Apparemment, il n'y a rien d'autre dans les environs, on va remonter. Je vais quand même tout de suite regarder si je peux pas crafter l'hirondelle améliorée. Ah, je peux la faire, super. Donc la première durait 20 secondes et donnait 20 secondes 20 d'intoxication. C'est
c'est pareil, mais j'imagine que le regain est plus fort. Vraiment chouette. Alors j'ai aussi eu sang noir amélioré. Le sang du sorceleur inflige des dégâts aux vampires et nécrophages qui le blessent, tout en les repoussant. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut aller en conjonction avec une huile contre les nécrophages. Faudra que j'essaie de la faire à un moment donné. Mais il me faut le sang noir déjà de base, que j'ai pas. Ok. Alors j'ai récupéré ceci, qui est pas terrible. Ceci qui est un peu mieux que ce que j'avais, mais je l'avais déjà eu en fait. Je l'avais pas mis parce qu'il n'y avait pas de place pour un... pour une glyphe. Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. J'ai déniché quelques poissons, une ancre rouillée, la carcasse d'une barque et... oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Tu sembles dans ton élément. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments? 6 mois, ce n'est pas si long quand même. Et je suis loin d'être sémile. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins mener par le bout du nez. Quelqu'un m'a mené par le bout du nez? Moi, par exemple. Mais je n'ai jamais insinué que... Dépêchons-nous. Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagnée, à ce que je vois. Ça pose un problème? Non, par le feu éternel. Je suis surpris, c'est tout. À vous deux, vous réussirez 2 fois plus vite. Vous avez l'air de vrais experts. Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Triss, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. On va demander la moitié d'avance, ça paraît raisonnable. En bon marchand, vous savez comment marchent les affaires? Bien sûr, à travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori, et chanter une autre chanson a posteriori. Fort bien, voici la première traite. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié au rat. Alors, placez des pièges à rats dans l'entrepôt en vous guidant à l'aide de vos sens de sorceleur. Bon, je suis tout prêt, donc on va la faire quand même maintenant, celle-là aussi. D'habitude, je me laisse entraîner dans la quête. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer l'encens? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Alors l'hirondelle améliorée, j'en ai 4 en plus, il me semble que la version normale en a que 3. Je crois que j'ai repéré tous les trous. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite nous aurons un moment pour discuter.
Oui. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... réconciliés. J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. Je suis pas bien sûr de voir de quoi ils sont en train de parler avec cette genre de métaphore de l'histoire de l'homme qui s'est fait couper les jambes. Tu as peut-être raison. Lui seul connaît la vérité. On est toujours seul à connaître la vérité à propos de soi-même. On se confie parfois auprès d'un être cher. Même quand c'est dur à avaler? Oui. Qui sait? Un jour, peut-être. Dis-moi comment va Yen. Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Elle avait l'air d'aller bien. Prenez les choses en main. Elle va bien. Bonne nouvelle. Tu as une question plus précise en tête? C'est bon, j'ai ma réponse. J'aime bien ces petits boutillons. Bon. Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Ça sent le combat, je sais pas pourquoi, mais je sens le combat venir. Geralt, ce sont des... Ça sent la traîtrise, effectivement. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. Oui, surtout tu voulais pas payer ce que tu voulais. Je sentais bien qu'il y avait un blague. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde. Et séparons-nous en bons termes. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutant. Ouais, te mêle pas de ça. Oh, celui-là, je vais lui faire la peau. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez, elle, il faut me prendre avec. Gérald. J'adore. Ça peut s'arranger. Ouais, bon, on va voir ça tout de suite. Faites ce que vous avez à faire, mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Oh, ils sont en train de vraiment m'énerver. On va faire un carnage. Attaquez-le des deux côtés. Sors ton arme, peut-être, fieu. L'hirondelle améliorée. Attaquez-le des deux côtés. Toi, c'est fini. Toi, il n'y a plus pour longtemps non plus. Cet ordre m'a engagé alors qu'il n'avait aucune intention de me payer. Rouler et piéger comme une gamine. C'est bien ça le but de l'opération, en effet. Nous devons trouver Brandon. Ah,
Alors j'ai eu 3-4 épées de chasseurs de sorcières. On va tout de suite quand même regarder si elles sont pas meilleures que la mienne. Forcément non. Je suis assez bien équipé au niveau armes. On va sortir et retrouver cette espèce de salaud. Et je peux vous dire que je vais lui faire la peau s'il y a moyen. Ils m'ont forcé. Bien sûr, t'avais l'air. De collaborer. Ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Non, je le crois pas du tout. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Il était trop arrogant. Vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. C'est ça, oui. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Ah voilà. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Gérald. Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas pu choisir un petit peu l'issue de la quête. Souvent, c'est un tout petit peu trop dirigiste, je trouve, les quêtes. On peut faire des choix qui influencent la fin, mais il y a quand même assez bien d'occasions pour lesquelles j'aurais bien voulu un petit peu plus choisir. Tu devrais surveiller un peu mieux tes fréquentations. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace, tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonquière, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats ? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se terrer quelque part. Et si je veux te revoir ? Je vis au Lassie, près de la criée. Passe me voir, quand tu voudras. Entendu. À bientôt, donc. Bon. C'est le moment idéal pour stopper cette ligne de quête-ci et revenir un petit peu en arrière, mais il faut d'abord que je trouve un foutu armurier de niveau compagnon, il faut vraiment que je le fasse. On va voir un petit peu la carte, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de la regarder correctement. Là, c'est le forgeron que j'ai trouvé quand je suis rentré ici par la porte des quais. Il doit forcément avoir un armurier dans le coin. Je vais me balader un petit peu, on va visiter un petit peu la ville. Et on va aller voir un petit peu ce marchand pour voir si je peux pas lui vendre quelque chose. Quelques petites choses. On va en profiter pour admirer un petit peu la cohérence des décors de la ville. Tiens, mais ici, c'est pas un armurier ça. J'y vais plus depuis qu'ils m'ont vendu du fistec coupé. Tant mieux. Paraît que le bâtard s'est fâché avec le reste du quatuor. C'est pas une averse, c'est pour le tout. C'est sacrément stupide. Personne, mais peut-être que en fait l'heure n'est pas adéquate, on va. Forgeron, d'accord. C'est un carquois qu'on porte dans le dos. Ah, pas des épées. Le devoir m'appelle. Tiens donc, mais qui voilà ? Le loup blanc en personne dans mon humble établissement ? En quoi puis-je vous aider ? J'ai des devises à changer, tiens, étrange, on va tenter. J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Il m'a l'air drôlement suspect, le... Oh là, 1213. Je sais pas ce que j'ai perdu comme objet pour récupérer autant. Je me souvenais pas avoir reçu des devises étrangères, bon. En quoi puis-je vous aider ? Alors ça fait vraiment du bien à mes finances. Comment vont les affaires ? Vraiment, vous n'avez rien de mieux ? C'est un peu comme demander à un pêcheur
si sa mort, ou à une mémé si sa santé est bonne. Les affaires sont florissantes. C'est toujours le cas en temps de guerre lorsqu'on sait s'y prendre. Avant même que le Nilfgaard traverse le Pontard, j'avais passé commande de bois et de fer au Kovir. Ça m'a rapporté 7 fois la mise. Bien. On pourrait le croire. Mais c'est sans compter l'impôt sur les non-humains, le denier du culte, les forces de guerre. Une fois tout soustrait, il reste une misère. 10 ou 12 coffres, pas davantage. Un prêt, sûrement pas. Un de ces jours. Intéressant, c'est un nouveau type de marchand que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Ah, voilà un armurier, super. Je vais regarder un petit peu son étal avant de passer commande. Ce sont des épées de première qualité. Je vais lui parler des armures de maître, juste pour voir un peu ce qu'il va répondre. Pensez-vous pouvoir façonner une armure de maître ? J'ai bien obtenu le titre de compagnon, mais je suis encore loin de forger du matériel de maître. Allez tenter votre chance à Velen. Il y a un nain là-bas, Fergus, il pourra peut-être vous aider. Les compagnons disent qu'il est le meilleur au sud du Pontard. Ouais. Montrez-moi ce que vous avez. Alors, des glyphes inférieurs, ça m'intéresse pas trop. Une carte, je vais la prendre. Une des notes presque effacées de Hieronymus sur le sorceleur Elgar. Je vais les prendre aussi. Des schémas, je vais peut-être pas acheter ça. Une épée longue de Novigrad qui est un petit peu mieux que la mienne. J'ai besoin d'être au niveau 11 et je vais quasiment y être. Ça pourrait être tentant de l'acheter en avance pour l'avoir directement dès que je vais passer le niveau. C'est imminent. C'est imminent. Ça coûte pas si cher non plus. 101 à 102 de dégâts. 101 à 123. Plus 10 quand même. Ouais, allez, soyons fous, je vais l'acheter. Hop. Alors pour le reste, je vais faire du crafting. D'abord, je vais vendre tout ce que j'ai pas besoin, tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, au niveau du poids, maintenant je suis bon, je suis tranquille. Alors, allons-y. Au niveau des bottes, bottes de l'école du Griffon. Évidemment, j'ai trouvé des bottes qui étaient pas trop mal il y a très très peu de temps. Et maintenant, elles sont plus si bien que ça, ces bottes-là. Pas vraiment besoin de les faire, ça me servira pas à grand-chose. Elles seront peut-être nécessaires par contre pour faire les bottes de l'école du Griffon améliorées, je pense, j'imagine, mais c'est pas grave, j'aurai toujours le schéma, je vais pas le perdre, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais garder mon argent. Alors les gantelets de chasse, les gantelets de l'école du Griffon, par contre, eux, ils sont pas mal du tout, on va les faire. Il me faut 2 morceaux de cuir et 4 chairs de monstre réduites en poudre. Deux morceaux de cuir.
Et 4 chairs de monstre réduites en poudre. Est-ce que je vais trouver ça? Je sais déjà plus à quoi ça ressemble d'ailleurs. Alors. Où est-ce que je suis là? Gantelet. Un petit sac avec une poudre rose. Bon, avec mon bol, il n'y en aura pas. Non, il n'y en a pas. De la chair de monstre réduite en poudre, il n'y en a pas. Et en faire moi-même, j'imagine que ça va être compliqué. C'est pas grave, on va pas faire les gantelets pour l'instant. Je peux faire le pantalon tout de suite, mais par rapport à celui que j'ai, il est pas franchement si foufou. Je vais pas le faire. Celui-là a plus d'armure quand même, plus de vitalité. Ah, il est pas mal. Celui-là a encore plus d'armure, mais je perds sur d'autres points. Et de toute façon, il faut être niveau 16. Celui-là, il faut être 11, donc je pourrais assez rapidement le mettre. Je vais le faire. Alors ensuite, le plastron. Je pourrais faire l'armure de cavalerie sidarienne, ça va me donner quand même plus 30 d'armure. Au 14, ça m'intéresse pas, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, 24, 16... Cette cuirasse ici m'intéresse pas non plus. Ici niveau 8. Un petit peu meilleur. Vraiment pas grand chose. Hein. Il me faut une chemise. On va quand même bien la faire celle-là. Racheter la chemise que j'ai. Je crois que j'avais vendu la chemise. On va la racheter. 167 bordel. Équipement de sorceleur. On peut améliorer les objets de ce type en les apportant à un artisan et en lui fournissant un schéma approprié. Ouais, donc c'est bien ce que je disais auparavant. Il faut les conserver. Il me semble que j'ai vendu mon épée de l'école de la vipère. J'aurais peut-être pas dû. Sinon je peux toujours en refaire une de toute façon. J'ai toujours le schéma, c'est pas trop grave. Ok, j'ai fait le tour. Adieu. L'armure de l'école du griffon, je peux déjà l'équiper. Là j'ai une glyphe d'ard, je peux peut-être remettre autre chose. Glyphe d'igni par exemple, je m'en sers quand même assez souvent. Ou alors, ouais non, la glyphe d'igni, c'est toujours bien. Pantalon d'assassin sera pour quand je serai au niveau 11. Épée aussi. Au poids, je suis quand même déjà un petit peu alourdi. Je vais me débarrasser de cette jack, je sais pas comment on dit. Ce sont... Pourriez-vous me fabriquer? Alors, si je la démonte, je vais récupérer la glyphe. On va faire ça. Adieu. Très bien, je vais essayer quand même d'aller voir directement un herboriste pour trouver cette poudre de monstre. Voilà. Que
puis-je faire pour vous? Bienvenue, bienvenue. Que vendez-vous? Alors, il n'y a pas grand-chose, lui. Hein. Tant pis. Adieu. Je suis quand même assez bien rééquipé. Je vais regarder un petit peu mes quêtes pour essayer de refaire des quêtes qui seraient de niveau pas trop élevé et que j'aurais laissé en arrière. Celle-ci, par exemple, le trésor de la reine Zuleika. Un trésor englouti. On va regarder un petit peu où ça se trouve. Ici, mais alors ça va me permettre de passer faire quelques petits points d'interrogation. On va toujours faire ça pour terminer la vidéo. J'allais à la côte des épaves. Dans le panneau, je suis juste à côté. Juste à côté, ici. Si je pouvais sauver, ce serait bien. Merci. Vérifier qu'il n'y a plus d'humains qui pourraient me décocher des flèches. Il y en a encore un là, on va aller le liquider. Hop. Allez les gars, au boulot. Alors, on va aller voir là-bas. Un point d'interrogation. Il devait y avoir un point d'interrogation au niveau des épaves. On se trouve par là. Oula. Spectre de midi de niveau 15. Oh bordel, ça va pas être facile. Mathirden. Voilà qui va être intéressant. Alors clairement, l'huile contre les spectres, on va l'utiliser. Et on y va. Les prendre dans le Hirden et ça passe comme sur des roulettes. Schéma harpie. Will contre les bêtes amélioré. Super. C'est une épée, ça, éventuellement. Ouais, une épée en argent, même. Ouh. Niveau 37. Bon Dieu de loot aléatoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une épée de niveau 37, franchement?
bordel en plus maintenant dans mes schémas. Alors voyons voir un petit peu, j'ai reçu quoi d'autre? Une huile améliorée, l'huile contre les bêtes si je me souviens bien. Je vais voir si je peux la faire. Ah, j'ai pas d'huile contre les bêtes de base. Je crois que c'était le trésor, il n'y aura rien de plus à trouver ici. On va poursuivre la balade. Quoi ça? Ou des noyeurs. On va utiliser alors l'arbalète. Ah, je peux pas changer apparemment. Alors on va dégager. On va essayer d'aller l'équiper ailleurs. Ok, je vais juste plonger. On va essayer de le faire comme ça, de passer un petit peu en douce. De magie noire, lingot de météorite, un schéma, une épée, de l'huile. Allez, il faut sortir là. Temps de remonter à la surface, mine de rien. Alors, voyons voir. J'ai eu cette épée. Épée de Tirtosher. Elle a deux places pour les runes. Fait un petit peu moins de dégâts que celle que j'ai déjà. La mienne donne déjà plus 75% de bonus de dégâts critiques. Ici que 50. Écoutez, 35% de chance d'infliger du saignement. C'est pas mal, mais... pas foufou non plus. Ouais, je vais pas la garder. J'ai reçu d'autres trucs, mais je sais plus trop quoi en fait. Je sais plus. Ok, en tout cas la quête est terminée. Je vais couper la vidéo là. On a un petit peu avancé. Je vous retrouve... pour la suite des aventures de Gérald dans la prochaine vidéo. Salut à tous!